Sur cette vidéo amateur, des occupants du manège, pris de panique devant les flammes. Le personnel intervient très rapidement et plusieurs personnes s'emparent d'extincteurs pour éteindre le feu. L'incendie est survenu quelques minutes à peine après l'ouverture de la montagne russe Objectif Mars, une des attractions phares du Futuroscope. C'est ce visiteur qui a filmé la scène. Il était dans la file d'attente lorsqu'il a vu arriver le wagon en flammes. On arrive devant la barrière, juste un peu devant la barrière. Là, on entend crier, vraiment crier fort. Et là, à peine le temps que je me retourne, que je vois une énorme fumée noire, des gens qui criaient, mais qui criaient vraiment fort, des cris stridents. Les gens étaient à l'intérieur, bloqués directement par leur harnais. Et au final, les flammes, elles jaillissaient sur la pauvre dame de devant, quoi. Une collégienne a été légèrement brûlée à la jambe. Et une femme, brûlée au deuxième degré, a été prise en charge au centre hospitalier de Poitiers avant de rentrer chez elle. La direction du Futuroscope suit de très près leur état de santé et a rapidement identifié l'origine de l'incident. C'est une batterie électrique placée sous un siège qui a pris feu. C'est une batterie au lithium qui permet d'avoir de la motricité sur les trains. Et donc c'est elle qui a pris feu alors même qu'on fait des vérifications quotidiennes, donc tous les jours, tous les soirs on fait des vérifications. Donc là on est en train d'investiguer évidemment les choses pour essayer de bien comprendre la source et évidemment l'attraction est à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre. C'est le premier incident de ce type depuis l'inauguration de l'attraction en 2020. Mais ces images rappellent d'autres incendies liés à des batteries au lithium. Comme il y a un an, lorsque deux bus électriques ont pris feu à Paris. En cas de choc ou de problème d'assemblage, une batterie au lithium peut exceptionnellement subir un emballement thermique. Une température supérieure à 60 degrés provoque alors une réaction en chaîne qui entraîne souvent une explosion. Impossible pour l'instant de définir si c'est ce phénomène qui est à l'origine de l'incident du Futuroscope. Le parquet de Poitiers vient d'ouvrir une enquête pour tenter de définir les causes de l'incendie.